C'est le pays à l'origine du printemps arabe. C'est aussi le premier à se rendre aux urnes. La Tunisie vote ce dimanche un scrutin sans précédent dans son histoire. 7 millions d'électeurs devront se déterminer face à plus de 1500 listes. Des Tunisiens heureux, excités et confiants dans la réussite de cette élection qui donnera vie à une assemblée de 217 membres chargée de rédiger une nouvelle constitution pour la Tunisie. Le parti islamiste modéré Ennahda, jusqu'ici interdit et favori, grande inconnue, la participation au vu des très nombreuses listes. Des observateurs européens suivront le déroulement du scrutin.